vous n'auriez peut-être même pas reconnu Jobi Joba. Bon. Puis, ils ont réfléchi. Oui, ça leur arrive. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils réfléchissent beaucoup. Ils ont réfléchi un peu en se demandant ce que pouvait représenter la culture tikka. Et quelle ne fut pas leur surprise d'apprendre que de l'Espagne à la Russie, en passant par l'Europe des Balkans, la culture tikka était omniprésente, qu'elle soit d'influence gypsy, bohémienne, rome, gitane ou manouche. Du coup, ça leur a ouvert pas mal de portes, et notamment celle de la caravane, ce qui leur a permis de partir en voyage. Elle fut bien pratique d'ailleurs, la caravane. Tu peux éteindre un peu les lumières, 2 minutes, s'il te plaît. Blackout, ça serait bien, ouais. Je te remercie, tu pourras allumer dans 30-35 secondes. Leur tournée est donc partie de Hongrie et de Budapest plus précisément. Ils en ont rapporté un joli morceau intitulé Yulishka. 3, 4, go!